soin de toi, maître. Heureuse est la mère qui t'a porté et allaité. Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui l'observent. Apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Quand vous priez, dites « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous chaque jour notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Protège-nous contre la tentation et délivre-nous du mal. » Dans les Saintes Écritures, Dieu déclare que le Messie viendrait pour être le Sauveur du monde. La vie de Jésus prouve qu'il est bien celui dont les prophètes avaient parlé. Ésaïe a prophétisé que la Vierge deviendrait enceinte et qu'elle enfanterait un fils. Des siècles plus tard, la naissance de Jésus accomplissait cette prophétie. Les Saintes Écritures déclaraient que le Saint à naître serait appelé le Fils de Dieu. Cela signifiait que Jésus serait le Fils de Dieu au sens spirituel et non au sens physique. Nous le voyons par sa manière de vivre. Il a guéri des malades, il a pardonné leurs péchés, les a ramenés à Dieu et leur a promis une place dans le royaume éternel de Dieu. Il s'est offert lui-même en sacrifice pour le péché à leur place. Puis il est revenu à la vie, victorieux sur la mort selon le plan de Dieu. Jésus a dit « Personne ne me prend la vie, mais je la donne de ma propre volonté. » La vie de Jésus n'a pas seulement accompli les écrits des prophètes, mais elle a aussi confirmé la vérité de la sainte parole de Dieu. Les prophètes avaient écrit « Ta parole, ô mon Dieu, est parfaite, elle dure à toujours. » Jésus lui-même a dit « Le ciel et la terre disparaîtront, tandis que mes paroles ne disparaîtront jamais. » Jésus est venu pour nous donner la vie dans toute sa plénitude. Mais quand l'homme a désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, il a choisi sa propre voie et ses actions l'ont séparé du Créateur. Les Saintes Écritures déclarent que « tous ont péché » et que le salaire que paye le péché, c'est la mort. Il s'agit de la mort spirituelle, éternelle séparation d'avec Dieu. Mais tout comme Dieu a donné un bélier pour qu'il meure à la place du fils d'Abraham, ainsi il a envoyé Jésus, le Messie, mourir à notre place. Sa vie, sa mort et sa résurrection restaurent la relation entre Dieu et tous ceux qui mettent leur confiance en lui. Maintenant, non seulement Jésus pardonne les péchés de ceux qui le suivent, mais il les sauve aussi du jugement éternel de Dieu. Ils sont sûrs d'aller au paradis et de vivre avec lui pour toujours. C'est cette vie et cette liberté de la culpabilité et du pouvoir du péché que Jésus offre à chacun aujourd'hui. Cela ne veut pas dire suivre une religion, mais choisir d'avoir foi en Jésus qui dit « Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. » Cela veut dire se tourner vers Dieu et croire que Jésus vient dans nos vies pardonner nos péchés et nous rendre tels qu'il veut que nous soyons. Il ne suffit pas d'approuver intellectuellement ce qu'il dit, ni de vivre une expérience émotionnelle. Nous le recevons par grâce, au moyen de la foi, par un acte de notre volonté. Lorsque quelqu'un est prêt à suivre Jésus le Messie, il peut lui parler par une simple prière. Peut-être êtes-vous prêt maintenant à ouvrir votre vie à Dieu. Si oui, vous pouvez vous joindre à la prière suivante, silencieusement.
dans votre cœur. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. Je confesse mes péchés et je m'en repens. Je t'ouvre la porte de ma vie et je te reçois comme mon Sauveur et Seigneur. Merci de me pardonner mes péchés et de me donner la vie éternelle. Fais de moi le genre de personne que tu veux que je sois. Maintenant que je deviens l'un de ceux qui te suivent. Amen. Jésus a dit à propos de ses disciples, « Mes brebis écoutent ma voix, je les connais et elles me suivent. » Pour expérimenter la vie en abondance promise par Jésus, ceux qui le suivent parlent à Dieu chaque jour dans la prière et lisent ou écoutent sa parole. Ils parlent de lui à d'autres personnes et rencontrent régulièrement ceux qu'il aime et le suivent. N'oubliez pas sa merveilleuse promesse. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et sachez-le, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde.耶稣基督了的事，一个门徒问伊：主，教我人安怎祈祷，才甲洗礼约翰甲伊的门徒祈祷？主，人要安尼款祈祷，我人伫天顶的爸，愿人尊主为圣，愿主做我人的王，愿主的意思行伫地顶，才甲行伫天顶。主，予我人达达日子的物件，请汝原谅我人的罪，我人本原谅得罪我人的人。 莫予我人着城着，求我人离开邪恶。阿门。 在圣经里面，上帝讲，救主会来救世界的人。 耶稣的生命证明，伊真真是上帝所讲的迄一个。以赛亚讲，一个查某囡仔会有神，伊会生出一个囝。几百年后，耶稣的出世证明上帝所讲的是有影的。圣经讲，这个出世的囝是圣洁的，伊的名叫做上帝的囝。 人人看会到，伊安怎活出伊的生命，伊医好破病的人，原谅伊人的罪，带伊人倒转去找神。本因伊人住伫神的国内面有份，因为人的罪，伊牺牲伊家己为人的罪来死，了搁活倒转，赢过死亡。耶稣讲，无人会举起我的生命，是我。 家己甘愿放弃我的生命，耶稣的生命无简单是上加上帝讲的那样，伊本证明了上帝的话是真理。上帝讲，主的话是无错的，主啊，你的话是永远的。耶稣家己讲，天甲地会无去，但是我的话永远是袂无去的。 耶稣来要予人丰盛的生命，但住伫伊甸园，
人无听神的话，人坚行家己的路，伊所做的，和伊家做伊的神分开去。圣经讲，人家了不有罪，罪的刑罚就是死亡。这个意思是讲属灵的死，永远甲神分开。特别上甲神和阿伯拉罕一只羊来替伊的子死，伊本派耶稣救主为人死。耶稣伊的生命，伊的死，甲伊个活起来，和迄个相信伊的人，甲上帝有多对好的关系。迄个对耶稣的，唔是干那做贪着原谅，伊人本免着上帝永远的刑罚，伊能够贪着保证会入天堂，甲神永远的做一下。今仔日耶稣和人的事，一个对罪的洗礼，贪着自由的生命，这个无代表去对一个宗教。但是竞选要相信耶稣，伊讲：我徛伫门口敲门，追追听着我的声，开门给我的，我就接来伊的生命。安尼款就是讲，多转去找神，来相信耶稣会原谅人的罪，会予人做伊袂人做的人。干那用嘴讲，也是心感动尔，是无够的。人若讲相信耶稣，上帝就会救人，因为伊是一个好的神。人若要信耶稣做一人的救主，会使做一个简单的基督。如当今有可能有准备爱来信耶稣做你的救主了，那是是安尼，你会使家己在心内面做一个基督。主耶稣，我需要你。感谢你为我的罪死的十字架，我为加了我做过的事认错，我开我的心门来接受你做我的救主。感谢你原谅我的罪，阁予我永远的生命。我爱对条路，求你帮助我做你袂我做的人。阿门。耶稣讲到对伊的人，对我的人，认着我的声，我捌伊人，伊人嘛对着我，因为要贪着神丰盛的生命，对伊的人，达达日祈祷、读圣经，搁听伊的话，伊人传讲耶稣，本常常甲爱伊参对伊的人做一下，都要会记耶稣伊呢。天甲地的权柄，拢总分交予我了。我定着甲女人平平，交到这个时代了为止。